Bon, Ezreal joue TP, il a bien compris que ça allait être une petite sassa cette game, qu'on voulait juste pas qu'il joue. Et il l'a extrêmement bien compris, c'est Kaize. Oh non. Si, oui. Casse-toi, toi. Non, si j'avais pas Ward, il aurait walk sur nous, ça veut dire ce fou. Non. Pas avec Scylla, s'il vous plaît. Ne me faites pas commencer avec un camp qui va prendre 20% de dégâts en moins. Aidez-moi ici. Oh, l'Ezreal a cliqué, hein. 3 potions. TP de up. Alors que mon top, un déchet ambulant. Il est déjà mort, hein. Le problème c'est que je peux même pas faire mon raid du coup vu que j'ai show mid là maintenant. Je peux pas aller le contest. Je pense qu'il aura le temps de le faire et de repartir. T'as toujours double force adaptative sur celle à son range, mais c'est l'air. Non, la Caesar c'est un de la prendre en early. Elle te sert pas tant que ça et faut mieux avoir un maximum de legs. Je pense qu'il va faire mon raid et ensuite il va vouloir dive top. On ne le tue jamais, je pense. J'arrive, mais je pense qu'on ne le tue jamais. Genre. Il peut juste Z en fait nos dégâts. Ok, hein, j'ai menti, hein, on le tue. Hein. Oh ok, c'est joué à pas grand chose. Ok. Ah, j'ai pas d'argent. Je peux essayer de monter top straight. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est dommage en vrai. Allez, bah, Jamis. Bonjour, c'est normal que tu sois low quand tu fais tes camps. Ouais, alors en fait, ça là, c'est l'un des persos qui galère un peu le plus en jungle à clear des camps. Il perd beaucoup d'HP et il les clear pas très vite. Mais c'est pas grave, il a d'autres forces. Il a d'autres forces telles que le Grand King, etc. Du coup, ça te fait de lui un jungle viable, entre guillemets, grâce à ça. Normalement, il double, non? Mais il est abominable, le Ezreal. S'il te plaît, donne pas de kill. Tant pis, c'est pas grave. Go give. Non, pars. Ok. Bon, c'est pas trop mal. On a récupéré quand même. C'est qui là maintenant? Il est tellement devant, à mon avis, qu'il peut se permettre de faire n'importe quel camp. Il peut passer sur les objectifs neutres, les déchirer, etc. On arrive, mon pote. Tu pourras mettre 98 ping, ça ne changera rien. On n'avancera pas plus vite pour autant. Ouais, mais frérot, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Ça va être dur, hein. Ouais. Ah, il en a des items. Oh, sa mère, il fait mal, hein. Bon, j'avoue que je sais pas sur qui est-ce que je peux me reposer cette game à part moi. En fait, on a un top qui est nul, on a un mid qui est nul, on a un bot qui est nul. Bon, le bot, c'est la seule lane auquel on peut pas en vouloir. Le problème, c'est qu'il a piqué un champion, il est tellement naze qu'il ne va jamais rien pouvoir faire, genre le pauvre.
J'ai flash out alors qu'en vrai je pouvais peut-être trade. Hein. Attends, il a un re-son R. Je bloque juste les sorties. Je bloque juste les sorties parce que j'avais l'air de l'autre, donc c'était ok. Ils sont en train de grid. My bad, c'est pas worse. J'aurais peut-être dû repartir par la gauche, mais j'aurais pris plus d'auto-attaque de Kai'Sa. Je pense que je serais mort quoi qu'il arrive. Il faut absolument qu'on joue les Drake selon moi, sinon le il va finir par se régaler. Ouais, je pense qu'il aura le temps de le finir, malheureusement, on pourra pas l'arrêter en plus. Ah, encore moins si on loupe le sort. Attention, j'arrive, mais. C'est très bien. Je pense que on va finir par perdre comme ça. Ouais mec, mais c'est que t'en fais des decks. Bah il m'a découpé, il m'a mis 1005. Depuis tout à l'heure il me poke, il a les informations partout, j'ai l'impression. C'est incroyable. Bien joué à lui. Ok, je vais me prendre un peu plus de CDR je pense, overall. C'est peut-être ça qui me manque. Quoique Rabadon m'aidera peut-être plus en même. Ok, faut qu'on arrive à jouer ces Drake. Hein. Va voir ailleurs un peu toi si j'y suis. Pourquoi il est pas avec nous hein. Ouais, overall même on a tout loupé. Arrête, c'est trop dur. Genre Kai'Sa c'est trop dur. C'est vraiment le pire personnage hein. Je ne peux rien faire genre. Elle proc des shields, elle disparaît. C'est trop dur. Nice, on a eu le Drake. Excellent. C'est que accompagné de Karma la Kai'Sa vraiment. Autant peut-être en 1v1 je peux faire des trucs mais. Dégage un peu toi. Quelle tristesse que Lux au lieu de les empêcher de passer, elle fasse ça. Quelle tristesse. Ok. Bon, au moins elle est du tous mais bon. Triste 50-50. Ouais, moi je suis fine maintenant. J'ai un Rabadon. Rabadon, ouais, c'est-à-dire que Karma je la one-shot encore plus. En plus elle a fait un Luden, c'est trop de la merde. Si elle avait fait un item support, elle aurait été encore plus chiante. Là tout va bien. Je vais juste essayer de prendre un Zonia et voilà. On va essayer de faire les choses bien. Par contre, je manque cruellement d'XP. Oh, je peux prendre son R. Ah, parce que j'ai l'air de Kai'Sa. Ah, faut que je flash out. Oh, j'ai voulu prendre le R de Victor. J'avais pas vu que j'avais l'air de Kai'Sa sur moi déjà. Je suis trop con. Hein. Oh,
flash. Ah, il est mort là. Je one tap, c'est incroyable. Les dégâts du perso, c'est abusé. Après t'es en 18-5 donc bon ouais le truc c'est que je suis en 18-5 parce que en vrai j'ai one genre même à deux items rappelez-vous à deux items la karma elle disparaissait hein, j'avais pas le rabadon à ce moment là donc ouais je veux bien là je suis à 18 kills mais en vrai les 18 kills ils sont faits parce que je one shot depuis deux items quoi. Ok nice. Je vais faire le Medjay, si jamais ça marche c'est carré, si jamais je meurs instant je le revendrai, j'achèterai un item, c'est pas bien grave. Parce que là ça me donne de la move speed. J'ai supprimé leur élément principal de défense. Je peux terminer normalement sur ça. Non mon Zonia. My bad. Bon GG. On aura bien porté la partie de jeu, c'est carré. Roule pas de report Atrox, t'inquiète pas qu'il va bien prendre son report. Ah let's go la victoire.